Merci pour l'enthousiasme de te servir. Demandons, Seigneur, que tu fortifies tout le monde à être efficace dans le ministère d'évangélisation pour gagner les âmes efficacement au nom de Jésus-Christ. Nous prions que, comme on cherche les convertis, qu'il ait la conviction et la conversion et que les gens continuent avec toi quand ils viennent connaître le Seigneur comme leur sauveur au nom de Jésus. Fais ceci pour nous et pour tous les membres de l'Église qui doivent évangéliser à tout moment. Confirme le message au travers de nous à tout moment au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous allons aux Actes chapitre 2. Acte 2, nous lisons à partir du verset 14. Acte 2, verset 14. Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ce verset nous est donné au sujet de ce qui s'était déjà produit. Déjà, vous voyez dans le verset 1, le Seigneur a dit à ses disciples, à tous les membres qui étaient présents là, non seulement aux apôtres qu'il a parlé, mais aussi aux membres, il leur a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis il leur a parlé du résultat du Saint-Esprit, de cette immersion dans le Saint-Esprit. Il a dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenira sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit viendra sur eux, alors ils deviendront des témoins et des gagneurs d'âmes. En Actes 1, 14, c'est dit qu'ils s'étaient rassemblés et ils priaient en obéissance à ce que le Seigneur leur avait dit. Lorsque nous obéissons au Seigneur de cette manière, on est sauvés, sanctifiés et on cherche la face du Seigneur. Nous prions jusqu'à ce que nous soyons immergés dans le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Comme nous obéissons au Seigneur en priant, notre résultat sera comme leur résultat et on aura la puissance pour témoigner à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu lorsqu'ils priaient. Le Saint-Esprit est descendu sur eux avec les signes qui accompagnent. En ce temps-là, beaucoup se sont rassemblés. En ce temps-là, c'était l'époque de la Pentecôte et une fête à Jérusalem que le Seigneur avait ordonnée pour tout Israël. Et des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Les historiens nous ont dit que de 180 à 200 000 personnes seraient rassemblées à l'époque-là. Et les gens ayant vu tout ce qui s'était passé et à la chambre rouge, à la chambre haute, alors les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui était arrivé? Mais qu'est-ce qui se passe? D'autres disaient qu'ils se sont enivrés, d'aucuns ne pouvaient pas comprendre. Et il y a la confusion dans leurs pensées. C'était à l'époque là que l'apôtre Pierre, avec les 11, 12 d'entre eux, s'était levé et Pierre a commencé à parler pour leur dire que vous, hommes de Judée et Galiléens, et vous tous qui êtes rassemblés à Jérusalem, écoutez-moi. Et puis, le message de ce soir est, oui, l'évangile, c'est la puissance de l'évangélisation comme étant au commencement. La puissance est venue sur eux comme ils prêchaient dans la puissance de Dieu et beaucoup de personnes étaient venues connaître le Seigneur comme le sauveur personnel. Nous allons aux Actes chapitre 11. Acte 11, nous lisons le verset 15, c'était au sujet de la maison de Corneille. Et eux aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit et c'est dit que le Saint-Esprit était venu sur eux comme ils commençaient à parler. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, sur la maison de Corneille, comme sur nous, comme au commencement. Le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et les disciples
Et il commençait à prêcher, il allait partout, partout où c'était dispersé, il prêchait la parole. La même chose s'est produite dans la maison de Corneille, et la maison a reçu le Saint-Esprit, la même puissance, la même onction, et puis la même force et la même révélation que eux aussi doivent sortir et aller et déclarer la parole aux autres. Ils ont reçu la puissance comme au commencement, et eux aussi doivent prêcher comme au commencement. Si nous sommes sauvés, de la même manière ils étaient sauvés. Si nous sommes sanctifiés, de la même manière ils étaient sanctifiés. Si nous sommes baptisés, immergés dans le Saint-Esprit, de la même manière qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, cela doit avoir le même impact sur nous, le même effet pour nous. Cela doit nous inciter, cela doit nous pousser, cela doit nous donner la passion, le feu dans notre esprit, l'audace et la force et le courage à sortir dans notre Jérusalem, à aller dans notre Judée, dans notre Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, comme cela leur était arrivé au commencement. Nous allons expérimenter, et comme cela était au commencement, nous aurons cette puissance qui nous pousse à sortir l'énergie, la force pour déclarer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, disant aux pécheurs partout où nous les trouvons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, en rappelant à tous que nous sommes sans grâce, on n'a pas la force de nous sauver. Alors, par les œuvres, personne n'est sauvé par les œuvres de la main. Alors, ni justifié. Donc, le salut se trouve en Christ. C'est pourquoi Christ est venu. C'est pourquoi il est mort en tant que notre sauveur. Il est ressuscité pour notre justification. Et maintenant, si nous le confessons et nous croyons en lui, nous nous accrochons à lui par la foi, on devient sauvé. Donc, le numéro 1, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il n'y a personne qui soit assez bon. Il n'y a personne qui soit assez juste pour se sauver, mais tout le monde a besoin du salut. C'est parce que nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi au moment dit, Christ est venu mourir pour nous. Et au travers de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, maintenant nous pouvons avoir le salut. Qu'est-ce qu'il faut? Alors on se détourne du péché, on se repent de nos péchés, nous accrochons au Seigneur par la foi qu'il est notre sauveur. Alors c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela n'est pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous avons la même puissance qu'ils avaient, la même passion qu'ils avaient, et le même objectif qu'ils avaient, et la même détermination à prêcher la parole qu'ils avaient. La puissance de l'évangélisation. Nous avons l'évangélisation de puissance comme étant au commencement. L'évangélisation de puissance comme étant au commencement. Numéro 1, oui, les expériences chrétiennes dans l'esprit. Alors, on parle du salut par l'Esprit de Dieu, la sanctification par l'Esprit de Dieu, et le baptême du Saint-Esprit par l'Esprit. Et le premier point, donc, nous parle des expériences chrétiennes dans l'esprit. Deuxième point, c'est l'exaltation de Christ en tant que sauveur. L'exaltation de Christ en tant que sauveur. Le Seigneur Jésus nous a été donné comme sauveur. Il s'est déclaré sauveur. Les anges ont souligné que la Vierge concevra et elle enfantera un fils qui sera appelé Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et sa résurrection l'a déclaré comme le sauveur. Et les apôtres ont souligné qu'il n'y a aucun nom qui soit sous le terre par lequel nous devons être sauvés, sauf le nom de Jésus. Christ est exalté. L'exaltation de Christ en tant que sauveur. 3. La conviction exprimée par les pécheurs et les chercheurs. Ouais, ils avaient leur cœur frappé. Lorsque Pierre a prêché, ils ont dit, mais hommes et frères, que ferons-nous? Ils cherchaient le Seigneur pour le salut. Ils voudraient savoir ce qu'ils devaient faire. Et Pierre leur a répondu disant que repentez-vous et soyez baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aussi, vous allez avancer après ce salut. Vous aurez les autres expériences. Vous aurez le don de l'Esprit de Dieu. Mais la promesse est pour vous et pour vos enfants, même à tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera.
Allons au premier point qui est, le premier point qui est les expériences chrétiennes dans l'esprit. Allons aux Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je lis le verset 16. Actes 2, 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors, ici, le baptême dans le Saint-Esprit avec toutes les conséquences et la puissance qui est descendue sur eux. Et c'est dit que, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et nous dit au verset 18. Verset 18 dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Comme nous voyons toutes les catégories de personnes mentionnées dans ces versets, l'Esprit de Dieu est disponible pour tout le monde, c'est-à-dire que tout quiconque, tout le monde qui est enfant de Dieu, qui est venu connaître le Seigneur déjà. Alors, les expériences chrétiennes dans l'Esprit. Nous allons voir trois choses ici. C'est ici. C'est-à-dire, comme on voit la parole de Dieu, Pierre, et l'apôtre disait, il a dit que cette expérience que vous voyez, que vous attendez, ce que vous voyez et les choses qui nous sont arrivées, et cela n'est pas ce qu'on ne peut pas voir dans l'Écriture. C'est pourquoi il a dit que c'est ici ce qui a été dit. Nous voulons nous rappeler que pour le salut, c'est ici. Alors, on peut retracer, on peut remonter jusqu'aux promesses de Dieu montrées dans l'ancienne alliance, notre sanctification. On peut traquer cela jusqu'aux promesses que Dieu a données dans l'Ancien Testament. Pour le salut, on peut dire que c'est ici ce qui a été dit par le prophète, par ce prophète donné, par le prophète là, dans l'Ancien Testament, pour notre sanctification, la même chose. On peut dire, c'est ici ce qui a été prédit, prophétisé dans l'Ancien Testament, bien sûr, pour le baptême du Saint-Esprit. On peut dire que c'est ici ce qui a été prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament. Cela nous fait voir trois choses. Le salut obtenu comme promis. On ne peut pas sauter la ligne et sans le salut et puis aller au baptême du Saint-Esprit et sans la purification de la chambre, de l'homme intérieur, de là où le Saint-Esprit va demeurer, et puis aller comme ça, il dit qu'on cherche le baptême du Saint-Esprit. Tout d'abord, on a le pardon au salut. Deux, nous avons la pureté à la sanctification avant que nous avancions pour avoir la puissance au baptême. Oui, le revêtement de l'Esprit comme étant promis, numéro un, c'est le salut obtenu comme promis. Comme vous voyez le salut, et comme nous sortons prêcher le salut et ne provient pas d'une dénomination, ce n'est pas d'une assemblée ecclésiastique, ça ne provient pas de dogme ou bien d'une assemblée, mais cela provient directement des Écritures. Et lorsque nous prêchons le salut, nous pouvons dire que c'est ici ce qui a été prophétisé par les prophètes. Nous allons à Ésaïe 64. Ésaïe chapitre 64 et le verset 4 dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Alors ils viennent au Seigneur, disent que nous serons sauvés. Le verset 6 nous dit que il n'y a personne qui. Verset 5 dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent.
Comme nous voyons ce verset, cela dit simplement que nous sommes tous comme des choses souillées. C'est-à-dire que nous sommes tous pécheurs, nés dans le péché. Donc, nous avons la nature du péché. Notre style de vie est du péché. La pratique est pécheresse. Toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. La justice que les hommes produisent ne suffit pas pour le salut. C'est dit que nous ne pouvons pas nous sauver. Notre justice, alors, n'est pas assez parfaite pour être agréée par le Seigneur. Et c'est dit que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. On va de mal en pis. Et beaucoup de pécheurs disent cela parce que, alors, il y a le mal, les pratiques dans leur vie, oui, s'empirent. Et plus ils connaissent les choses, plus ils sont civilisés, plus ils ont réussi, plus ils ont la percée dans leur vie, plus ces gens deviennent immoraux. Alors, c'est pourquoi c'est dit que nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Le péché sépare d'avec Dieu. Voici le salut. Et nous devons faire comprendre aux gens l'état du pécheur, la position du pécheur, la séparation du pécheur d'avec Dieu avant de présenter la solution. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver et c'est au verset, c'est-à-dire au verset 6, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Et que le jugement vient, il y a un jugement terrestre, il y aura un jugement éternel, il y a un jugement présent, il y aura un jugement perpétuel, il y a une colère de Dieu contre les péchés des gens d'à présent. C'est pourquoi c'est dit que toi là, tu nous as consumés à cause de, tu nous fais périr à cause de nos crimes. C'était dit cependant au Éternel, tu es notre Père, nous pouvons quitter les ténèbres pour venir à la lumière. On peut quitter la position d'enfant de colère pour devenir enfant du Père. Le salut peut avoir lieu. Ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous comprenons donc que quand nous parlons du salut, nous pouvons affirmer, nous pouvons dire que c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe. On va à Ézéchiel, chapitre 36, nous lisons le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purs sur la pâle du salut. Le pécheur est souillé, le pécheur est sale, le pécheur est pollué, le pécheur est corrompu, mais le Seigneur dit que j'apporte la conversion. Je vais apporter le salut. Ce que dit, c'est que lorsque nous parlons du salut, le salut, ce n'est pas une arrière-pensée, mais c'est quelque chose que le Seigneur lui-même a promis depuis l'Ancien Testament par ses prophètes. Et nous pouvons dire que c'est ici, alors parlant du salut, ce qui a été prophétisé par les prophètes. Et il dit que je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et comme Pierre a cité de Joël, Joël 2, allons aux actes maintenant, acte 2, verset 21. Alors, il parlait du verset 16 jusqu'au verset 20, mais verset 21 maintenant, voyons ce qu'il a dit. Et il dit, alors, ce référent, nous en fait partie de la prophétie de Joël, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ici ce qui a été prophétisé par Ésaïe, par Jérémie, par Ézéchiel, par Joël, par les autres prophètes, que Dieu sauvera. Et c'est ce que l'ange a affirmé, que son nom sera appelé Jésus
parce qu'il sauvera son peuple de ses iniquités. Non seulement ça, il y a aussi la sanctification. Au sujet de la sanctification numéro 2 maintenant, nous pouvons dire que c'est ici. Alors, lorsqu'on vient au Seigneur, alors nous ne dépendons pas de notre pensée, de notre sentiment, que c'est parce que la vie profonde a prêché la sanctification, c'est pourquoi on cherche cela. Non, c'est ce qui a été déjà prédit. C'est ici ce qui a été prédit. L'expérience de la sanctification comme étant prédite. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. L'unité est l'expérience, est l'expression, est l'évidence de la sanctification. Avec un même consentement, il n'y a pas d'argument en leur sein, il n'y a pas de conflit en leur sein, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas le fait de chercher la position. Je suis ici, pourquoi es-tu assis sur mon siège? Il n'y a pas les magouilles parmi eux, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et le verset 46 dit, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Tout ce que le Seigneur a donné à ses apôtres et à ses disciples, alors il veut aussi le donner à ces 3000 personnes qui étaient converties au jour de la Pentecôte, la même unité, le même cœur purifié. Il voudrait leur donner ça parce que la sanctification ne se limitait pas à ses apôtres et à ses disciples. C'est ici. Et voyons Jean 17. Jean chapitre 17, nous lisons le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit que je leur donne la parole, ils ont reçu la parole et ils ont connu que tu m'as envoyé. Et puis il leur a dit qu'ils sont à toi et tu me les donnes. Et puis il a dit qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je les ai choisis, je les ai appelés hors du monde. Évidemment, ils étaient sauvés après ce salut. Alors il a mené à prier pour leur sanctification. Il a sanctifié-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Maintenant l'évidence, maintenant l'expression, maintenant l'expérience de cette sanctification. Nous allons au verset 21. Afin que tous soient un, sanctifie-les par ta vérité. Pourquoi? Quel sera le résultat? Quelle sera l'évidence? Quelle sera la conséquence? Afin que tous soient un. Ils ne se forment pas en clique ni en club pour s'opposer. Ils ne font pas une faction afin que tu sois un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, exactement comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, c'est l'unité. Afin que ceci soit un en nous. Sauver, comme c'était prophétisé, sanctifier, comme c'était prédit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. S'ils étaient sortis avec la nature adamique, s'ils étaient sortis avec un cœur argumentateur, s'ils étaient sortis sans la sanctification, alors ils n'auraient pas le monde à croire au Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait des conflits intérieurs, s'il y avait le désaccord, s'il n'y a pas d'unité parmi eux, alors s'il y avait la violence parmi eux, ils étaient sortis, le monde saurait que vous êtes divisés, nous sommes divisés, vous êtes violents, nous sommes violents, et vous êtes désunis, nous sommes désunis. Alors le monde saurait qu'ils étaient désunis, alors qu'ils ne sont pas un, le monde ne croira pas. C'est pourquoi après le salut, après la sanctification, après la purification et le pardon de leurs péchés, le Seigneur a dit que je prie pour eux,
que tu les sanctifies, afin qu'ils soient un, qu'ils soient unis, et qu'il y ait l'unité en leur sein, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Vois le verset 23. Moi en eux, pour que tout ce qu'ils feront, pour que partout ils iront, moi dans ma pureté, moi dans ma passion, moi dans mon objectif, alors c'est moi qui les propulse, qui les pousse à faire ce qu'ils font, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, pas dans une unité non parfaite, pas dans une unité terrestre, superficielle, mais afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse. Ouais, notre sanctification contribue à l'efficacité dans l'évangélisation, à l'efficacité à sortir et à aller parler aux pécheurs. Vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés et vous sortez pour prêcher avec cette expérience de la sanctification, c'est-à-dire que afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On va à Ézéchiel 11. Nous lisons le verset 19. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur. C'est la sanctification. Les disciples là et les apôtres étaient unis dans un même lieu. Ils ont expérimenté la sanctification. L'unité était démontrée en eux. Mais rappelez-vous, et c'est ce que le prophète avait prédit. Donc nous pouvons dire que c'est ici ce qui a été prédit. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Jérémie. Chapitre 32. Verset 39. Je leur donnerai un même cœur. C'est pourquoi nous disons que c'est ici ce qui a été prédit et prophétisé et promis dans les prophètes. Ouais, Jésus-Christ lui-même a parlé de cette unité. Ézéchiel en avait parlé. Et Jérémie aussi nous parle de la même chose, prédite, prophétisée, promise. Et dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix. Lorsque nous sommes sanctifiés, nous n'allons pas marcher dans le sens contraire. Si nous sommes sanctifiés, nous n'allons pas agir contrairement à nous-mêmes. La sanctification ôte le moi, l'ego en nous, la dépravation en nous et nous fait nous aligner notre vie sur celle de Christ. Alors vous allez vouloir vous aligner sur la vie de Christ. Vous allez vouloir m'accrocher à la vie de Christ. Et lorsque nous tous nous suivons Christ, nous aurons cette même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Et je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est ici, au sujet du salut, c'est ici ce qui a été prédit au sujet de la sanctification, c'est ici ce qui a été dit au sujet de l'effusion de l'esprit. Nous allons à la troisième partie, le revêtement de l'esprit comme étant prophétisé. C'est ici. Alors, déjà l'apôtre Paul a confirmé ce que les gens entendaient, ce que les gens ont vu, que c'est le résultat, c'est l'accomplissement du Saint-Esprit venant sur les vases sanctifiés, comme cela était prophétisé par Joël. C'est ici ce qui a été dit. On va à Joël 2, Joël 2, 28, Joël chapitre 2, nous lisons le verset 28. Cela parle de la venue du Saint-Esprit sur les gens et dit qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
je répandrai, ça c'est l'effusion, ça c'est le revêtement, je répandrai, c'est l'immersion, et que cela ne serait pas comme des gouttes, cela ne serait pas comme une petite chose, ce sera une expérience qui va les submerger, une expérience qui va les envelopper, une expérience qui va les plonger. Et c'est dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui baptise une autre personne dans le Saint-Esprit, tout comme ce n'est pas un homme qui peut sauver un autre homme. Ce n'est pas au pouvoir de l'homme de sanctifier une autre personne. Alors voici la promesse de Dieu. Et ça, c'est l'accomplissement de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre que le Père lui-même fera. Et ça dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et puis il nous dit, comme il continue au verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, cela parle des derniers temps. Cela parle des derniers jours, le temps des apôtres dans l'église primitive, et cela se rappelle à nous jusqu'à ce que Christ vienne et dit que dans ces jours, je répandrai mon esprit. Nous allons à Ésaïe 44. Ésaïe 44. Parce que ce que nous voyons ici, c'est ici ce qui a été prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc nous avons, oui, l'assurance, nous avons, oui, la fermeté, et que lorsque nous prêchons le salut, lorsque nous prêchons la sanctification, lorsque nous prêchons le baptême du Saint-Esprit, c'est une affaire assurée. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Jean chapitre 7. Nous allons le verset 37. Encore, c'est ici. Oui, les prophètes ont parlé du salut. Christ a parlé du salut. Les prophètes ont parlé de la sanctification. Christ a parlé de la sanctification. Les prophètes ont parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Christ en avait parlé. C'est ici ce qui a été prédit. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tena debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Le verset 38 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » De l'intérieur de ses entrailles. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et 39 nous dit, il dit cela de l'Esprit, le Saint-Esprit, de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ils ont cru en lui, ils étaient sauvés, ils ont cru en lui. Et pour recevoir l'accomplissement de la prière de sanctification, ils étaient sanctifiés. Et maintenant, ils ont cru en lui pour recevoir l'Esprit répandu sur eux. Et c'était écrit que comme ils ont cru en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, en acte 2, verset 33, il dit que Christ est maintenant monté au ciel, et parce qu'il est maintenant glorifié, alors il déverse la puissance, il répand et le revêtement du Saint-Esprit. Et acte 2, 33,
élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a reçu du Père ce que les prophètes avaient promis. De Esaïe jusqu'à Jérémie, pour arriver à Ézéchiel, Joël, Michée et à tous ces prophètes. Alors ce que le Père avait promis, la promesse du Saint-Esprit. Alors il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Lorsque vous êtes baptisé, lorsque vous êtes immergé dans le Saint-Esprit, il y aura quelque chose à voir, il y aura quelque chose à entendre. Vous n'allez pas demeurer au même niveau comme vous l'étiez. Le salut, une espérance définie. La sanctification, une espérance définie. Et le revêtement de l'esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, une expérience se définit. Nous allons au deuxième point. Deuxième point maintenant, l'exaltation de Christ en tant que sauveur. Comme Pierre l'a déclaré aux gens, il a prêché aux gens, alors le Christ exalté, alors c'est ce que nous devons faire. Comme nous sortons et que nous faisons la proclamation, comme nous sortons pour proclamer que Jésus est sauveur, que Jésus est le guérisseur, que Jésus est tout en tout pour nous et pour eux, nous parlons de Christ et Christ seul. Parce que nous ne pouvons pas sauver les gens. Notre Église ne peut pas sauver les gens. Les doctrines ne sauvent personne. Se changer en une nouvelle page, en une nouvelle forme, ne change personne. Les œuvres de notre vie ne sauvent personne. La religion ne sauve personne. Le Sauveur est Christ. Et Christ est le Sauveur. L'exaltation de Christ en tant que Sauveur. Nous allons voir trois points ici. La mort vicariale de Christ en tant que notre substitut. Deux, la résurrection victorieuse de Christ, notre sauveur. Trois, la foi vitale en Christ pour notre salut. Allons à la première partie ici. La mort vicariale de Christ en tant que notre substitut. Acte 2, verset 22. Acte 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Pierre voudrait que les gens le sachent que la mort de Christ n'était pas un hasard, que la mort de Christ n'était pas simplement un acte des Juifs, que crucifiez-le. Oui, c'est pas la préscience de Dieu. Et depuis Genèse 3, verset 15, que je mettrai l'inimitié entre toi, Satan, et la femme, entre ta postérité, les gens qui agiront en tant qu'enfants de Satan. Vous avez votre père le diable entre ta postérité et sa postérité. Oui, la postérité de la Vierge. Il écrasera ta tête et tu le blesseras le talon. C'est la préscience. Et le dessein arrêté de Dieu, le conseil arrêté de Dieu, que au travers de lui seul qu'on peut être sauvé. Par les mains impies, vous avez crucifié, vous avez tué le Seigneur, la mort vicariale de Christ en tant que notre substitut. Romains chapitre 5, verset 6. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies.
comme nous parlons aux pécheurs, comme nous prêchons aux pécheurs, nous ne devons pas sinon rester seulement sur le péché. Oui, nous leur disons que tous ont péché. À cause de cela, n'allez pas dire que vous allez vous mener une vie parfaite, une vie parfaite. Ne comparez pas votre vie à la vie des autres. Comparez votre vie à celle de Christ. Vous avez raté la marque. Vous avez péché contre Dieu. Au fait, c'est dit que tous ont péché. Et lorsque nous étions encore pécheurs sans force, pour nous sauver, Christ est mort pour les impies. S'ils disent que, mais je crois que je suis trop vil, comment pourrais-je être sauvé? Il est mort pour les impies. Je n'ai pas mené une bonne vie de justice. Christ est mort pour les impies. Vraiment, je regrette toute la vie que j'ai menée. Christ est mort pour les impies. Ne permettez pas à leur réaction, ou bien à leur argument, ou à leurs excuses de vous éloigner d'eux. Mais centrez tous, focalisez tout sur Christ. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas sa volonté que nous mourions et que nous périssions dans le péché. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ devenir, oui, notre substitut et prendre notre place. Deuxième Corinthiens 5, 14. Deuxième Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Dieu nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, il n'est pas uniquement mort pour les impies, il n'est pas mort uniquement pour les bonnes personnes, il est mort pour les personnes mauvaises, il est mort pour les justes, il est mort pour les impies, il est mort pour la personne à qui nous parlons, il est mort pour moi, pour toi. Et parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous donc sont morts. 15. Et qu'il est mort pour tous. Il souligne cela encore. Le Saint-Esprit souligne cela à nouveau. Et qu'il est mort pour tous. Il est mort pour vous. Et à tout moment que le diable voudra vous dire que tu es un grand pécheur, tu es un pécheur cruel, tu te rappelles que Christ est mort pour tous tes péchés. Et tu mets ta foi en Christ. Alors c'est ainsi qu'on est sauvé. Alors nous exaltons Christ en tant que notre substitut. Il est mort à notre place. Et afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes après le salut, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Allons à la deuxième partie ici. La deuxième partie ici, c'est la résurrection victorieuse de Christ, notre Sauveur. Il est ressuscité. Acte 5. Acte chapitre 5. Verset 30. Acte chapitre 5. Acte 5. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. A ressuscité Jésus. Il est ressuscité. Oui, il était mort. Oui, il était tué, abattu, il était crucifié. Mais selon ce que le Père a ordonné, prophétisé par les prophètes et prédit qu'il ne demeurera pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Il a ressuscité Jésus. Dieu l'a élevé. Et il a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir au bois. Dieu, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince
et sauveur. Le Père maintenant, après cette résurrection, la résurrection et l'exaltation, il a élevé, il a soulevé, élevé, exalté, que maintenant il est Seigneur, il est Sauveur, il est Prince, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cela parle de la justice imputée, communiquée à Abraham. Et le verset 23 dit: mais ce n'est pas à cause de lui seul, ce n'est pas pour Abraham seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Le verset 24. C'est encore à cause de nous qui sommes repentis, à cause de nous qui avons cru, qui prenons Jésus comme notre sauveur personnel, à nous qui comprenons que le Christ est mort pour nous, que Christ est encore ressuscité pour notre justification, que Christ est devenu notre substitut, le porteur de nos péchés et notre sauveur. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en lui, en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Numéro 3. Numéro 3 parle de la nécessité de mettre notre foi en Christ et en Christ seul, et non en Christ et vos bonnes œuvres, et non en Christ et vos dîmes que vous payez, et non en Christ et les œuvres de philanthropie que vous faites. Vous comprenez que oui, votre salut dépend de Christ et de lui seul. Vous ne pouvez pas vous sauver. Il ne faut pas aller commencer à sonner de la trompette. Dieu, tu sais que tu comprends. Oui, je ne suis pas si mauvais. Alors cela ne sauve pas. Je suis juste. Tu ne peux pas être aussi juste que les 16 anges au ciel. La justice, ta justice ne suffit pas. Christ est Christ seul. Et c'est dit que et cette justice, alors, nous est imputé si nous croyons en lui, à celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur des morts. Maintenant, notre foi, la foi vitale en Christ pour notre salut. Romains 10, verset 9, Romains chapitre 10, Romains 10, je lis le verset 9. Si tu confesses de ta bouche, le gagneur d'âme ne peut pas croire pour toi. Le gagneur d'âme ne peut pas le confesser pour toi. Le prédicateur ne peut pas dire que tu es sauvé. Le salut, c'est entre toi et Christ. Le prédicateur ne peut que te montrer Christ comme ton substitut, comme le porteur de tes péchés, comme le sauveur toi-même. Tu dois faire cela de façon définie pour confesser, confirmer que oui, je crois, il est mon sauveur. Oui, je crois, il est mort pour moi. Oui, je crois, il a ôté tous mes péchés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu prends Jésus comme ton Seigneur et tu lui soumets ta vie, d'être au contrôle de ta vie, de se charger de ta vie. Tu le confesses, Jésus ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Car ce n'est pas la grâce et non pas les bonnes œuvres. Car ce n'est pas la grâce et non pas la religion. Car ce n'est pas la grâce et non par le châtiment de soi-même. Il y a les gens qui s'affligent de châtiment pour les péchés commis. Ils vont s'asseoir sur des cailloux, ils vont rouler par terre, ils vont se faire priver de nourriture, ils vont s'infliger des blessures corporelles parce qu'ils demandent le pardon et le salut. Tout cela ne constitue que simple œuvre de la main du pécheur. Cela ne sauve pas. C'est dit, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, pas le moyen de la foi. La foi qui croit aux promesses de Dieu, la foi qui dépend de la fidélité de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Cela n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, c'est du coup, après ce salut, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, il nous a recréé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes créés à nouveau. Nous sommes façonnés à nouveau. Nous sommes transformés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne précèdent pas le salut. Toutes les œuvres qui précèdent le salut sont appelés que notre justice qui ressemble aux vêtements souillés. Mais après le salut, nous avons les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Allons maintenant au troisième point maintenant, qui est la conviction exprimée par le pécheur et le chercheur. On lit dans Acte 2, 37. Ils ont entendu le message que Christ a été exalté. Et le prédicateur était très ferme pour leur montrer qu'ils sont pécheurs. Ils ont crucifié Christ. Et le salut est venu. Et s'ils vont invoquer le nom du Seigneur, et l'assurance sera donnée à tout le monde que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, ils doivent répondre ou réagir négativement. Ils doivent recevoir ou rejeter. Le prédicateur ne peut pas parler tout seul. Le gagneur d'âme ne doit pas parler tout seul. Il doit donner l'occasion à ceux qui écoutent le message, à ceux qui entendent la parole de grâce qui est proclamée, la parole du salut. Soit on reçoit ou on rejette. Soit on répond ou on réagit négativement. Maintenant, on a vu leur réaction, leur réponse. Au verset 37 qui dit ici, Acte 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» La conviction exprimée par les pécheurs et les chercheurs. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, la conviction et leur conscience aiguillonnée, la conviction et leur conscience frappée. Deux, la conversion et la purification de toute purification. Trois, la continuation et la persévérance en Christ. Allons au premier point. Numéro un,
la conviction et la conscience et leur conscience frappée. La conviction et leur conscience frappée. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils ont entendu quoi? Ils ont entendu ce que les prophètes ont prévu, ont prédit. Ils ont entendu parler de la crucifixion de Christ. Ils ont entendu que c'est pour leur salut. Ils ont appris que Christ est crucifié. Et maintenant, le Christ est le Sauveur. Ils ont appris que s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, ils porteront cette culpabilité à la mort, au tombeau. Quand ils passeront au tombeau, ils périront à jamais. C'est pourquoi maintenant, qu'y a-t-il une solution? Est-ce qu'il y a pour avoir est-ce qu'il y a un pardon? Est-ce qu'il y a une échappatoire? Et s'il y a une issue où on peut être affranchi du péché pour ne pas porter la culpabilité au tombeau? Ils avaient le cœur frappé. Ils ont dit à Pierre et au reste des apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et qu'on ne sait pas. On maintenant comprend que notre religion ne peut pas nous sauver, que ferons-nous? Maintenant nous avons compris que être juif ne peut pas nous sauver. Notre nationalisation, notre nationalité plutôt, ne peut pas nous sauver. Nous savons que nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Que nos méfaits, nos péchés précèdent les bonnes œuvres qu'on a faites. Que ferons-nous pour être sauvés? La conviction est venue sur eux. Jean chapitre 16. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Notre Seigneur Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit et dit que lorsque le Saint-Esprit sera là, il viendra sur vous. Il viendra en vous au travers de ses révélations, au travers de son onction, au travers de son inspiration. Vous prêcherez, vous allez rendre témoignage et le Saint-Esprit en vous, au travers de vous, convaincra le monde de péché. Et il va juger le monde de péché. Et ils vont vouloir savoir comment être sauvés. C'est l'évidence qu'on sent, qu'on est saturé, on est submergé, on est rempli du Saint-Esprit. Certains disent qu'ils parlent en langue. Oui, c'est bon. Oui, l'évidence initiale d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Après cela, est-ce que votre vie convainc les pécheurs? Est-ce que votre prédication convainc les pécheurs? Est-ce que votre prédication apporte les gens à se mettre à genoux pour se poser la question, après avoir le corps vivement touché, que ferons-nous pour être sauvés? Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, nos paroles doivent prendre effet dans le cœur, dans la vie du pécheur. Notre vie doit porter la conviction aux gens qui pêchent. Ils vont savoir qu'ils sont pécheurs. Ils vont savoir que s'ils meurent dans cet état, ils vont porter leurs conditions, leur culpabilité, leur vie de pécheresse au pays, au tombeau. Alors, vous allez parler de la justice, ils vont crier Romains, chapitre 7, verset 21. Romains 7, qui dit: et misérable que je suis, si la conviction vient sur le pécheur, ne peut pas dire que ah, oh juste que je suis, oh un homme fidèle que je suis, et un bon fidèle qui prend la Sainte Seine, etc. Non. Quand la conviction du Saint-Esprit vient sur le pécheur, quand nous prêchons, alors quand, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, alors ils vont crier
Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors, ils auront l'angoisse pour leur péché, la tristesse pour leur péché. Deuxième Corinthiens 7. Deuxième Corinthiens 7. Il est le verset 10. Cela nous dit, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Deuxième partie ici, nous avons la conversion et la purification de toute corruption. La conversion et la purification de toute corruption. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Ils ont posé une question et ils ont répondu au message du salut. Ils voulaient savoir ce qu'ils devaient faire. Ici, la réponse est provenue de l'apôtre. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 40. Verset 40 les a rassurés et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. Il les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il leur disait de sortir du milieu d'eux. Il leur disait, repentez-vous. Il disait, sortez du mal. Sortez de la génération perverse. Distinguez-vous et sortez-vous. Sortez de la religion qui ne sauve pas. Sortez de la nationalité juive qui ne peut pas sauver. Sortez de la justice ressemblant aux vêtements souillés. Sortez de là et mettez votre foi, votre confiance en Christ seul pour votre salut. L'ont-ils accepté? Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Numéro 3, voyons cette continuation avec la persévérance en Christ. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est l'évidence de la véritable conversion. Vous ne courriez pas après eux et que seulement j'ai levé la main, je me suis seulement donné au Seigneur, je suis déjà sauvé et pour être à l'église en communion avec les enfants de Dieu, je vais y penser. Et puis on ne voit pas l'évidence de la conversion là-bas. La conversion parle d'un changement de vie, ça veut dire que un changement de direction. Les choses anciennes sont passées, les anciens amis ne sont plus là, les anciens gangsters ne sont pas là, l'ancienne assemblée, vous devez les abandonner, une nouvelle vie est venue, vous avez maintenant une nouvelle famille, il y a une nouvelle communion pour vous, et alors tous les 3000, sans exception, parce qu'ils étaient convaincus par le Saint-Esprit, convaincus par la puissance du Saint-Esprit, converti par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il continue à persévérer dans la grâce de Dieu et il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et il commençait d'apprendre, et il commençait à prier, il commençait à continuer avec le peuple de Dieu, avec l'église de Dieu. Verset 46. Et 46, ils étaient chaque jour tous ensemble.
et ils ne venaient pas à l'église, et puis après tout, et ils viennent à l'église dimanche et ils retournent à leur vomissement. Non, ils étaient chaque jour tous ensemble. À Sédu au temple, 46, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La joie du salut était réellement évidente en eux. Ils avaient un dévouement, une dévotion ferme, concentrée, focalisée sur le Seigneur. Ils avaient le cœur résolu, le cœur décidé, la persévérance dans le Seigneur, et ils persévéraient dans le Seigneur. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, s'ils sont de véritables convertis, s'ils ne sont pas demeurés dans la forêt, ils ne vont pas demeurer dans l'océan de l'humanité corrompue. Si vous demeurez dans ma parole, ils ne vont pas continuer dans les pratiques de la société pécheresse, ne vont pas continuer dans la corruption de leurs mains. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, pour ceux qui sont nés de nouveau et qui retombent au péché. Sévérité envers ceux qui disent qu'ils sont venus à Christ et ils retournent au monde. Sévérité, la colère, jugement, indignation. Et maintenant il dit, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, si tu demeures dans la grâce, et tu demeures dans la piété, et tu demeures sous la conduite et le guide et la supervision du Saint-Esprit, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Premier Timothée chapitre 4 et verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, entièrement, complètement, absolument à elles. C'est-à-dire à la parole de Dieu, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. C'est l'évidence du salut. Il faut demeurer dans la communion. Il faut continuer dans l'enseignement et dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Demeurer en Christ et continuer en tant que nouvelle créature. Et continuer dans cette nouvelle vie découverte en Christ. Continue dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras. Soi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le gagneur d'âme doit persévérer lui-même. Les croyants, les ministres de Dieu eux-mêmes doivent persévérer en Christ. Les serviteurs de Dieu doivent demeurer en Christ. Le prédicateur lui-même doit persévérer en Christ. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, le prédicateur, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 14. Deuxième Timothée, 3, 14. Toi demeure, nouveau converti, toi demeure. Et ceux qui disent qu'ils ont reçu le Seigneur, ils l'ont accepté comme leur substitut, comme celui qui porte leur péché, comme leur sauveur, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à leur esprit qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Il y a une seule
expression, un mot qui ne doit pas oublier, c'est un mot pratique. C'est le mot qui nous fait voir l'expression, l'évidence, l'expérience du salut dans leur cœur, dans leur vie. Et le mot est « toi demeure ». Demeure, le mot demeurer, toi demeure. Dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et nous qui sommes prédicateurs, nous qui sommes ouvriers, nous qui sommes dirigeants, nous qui dirigeons les autres vers Christ, puisse le Seigneur nous donner la grâce, le courage, l'encouragement pour continuer de suivre le Seigneur jusqu'à son avènement au nom de Jésus-Christ. Vous allez suivre le Seigneur. Vous allez demeurer avec le Seigneur. Vous allez continuer dans la foi. Vous allez persévérer dans la grâce. Vous allez persévérer à marcher avec le Seigneur. Vous allez continuer avec le salut du Seigneur. Vous allez continuer dans la résolution. Vous allez continuer dans la fermeté avec le Seigneur. Vous allez continuer à obéir à toute la parole révélée du Seigneur et à sa volonté. Je prie que chaque défi que vous aurez, chaque tentation que vous aurez, partout que vous êtes confronté à un danger, que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur soutienne votre conviction, votre engagement, votre consécration au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera, mais celui qui va continuer jusqu'à la fin sera sauvé. Je prie que vous demeuriez jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Vos convertis vont persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Et nous les prédicateurs, et ceux qui ont entendu, qui ont accepté, qui ont reçu la parole de Dieu, nous tous, nous allons nous rencontrer au pied de Christ à son avènement pour l'Église glorieuse au nom de Jésus-Christ. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Mes convertis vont persévérer. Puisse le Seigneur le confirmer dans la vie de chacun de nous et dans notre ministère au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. Tenons-nous debout. Parlons au Seigneur dans la prière. Amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur et que le Seigneur confirme la puissance de l'Esprit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ.